Bonjour les partageuses, les partageurs. Allez, je vais attendre un petit peu encore quelques instants. J'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien. Pour ceux et celles qui regardent, je m'appelle Mégane, j'ai 24 ans, je suis sur Amiens et je fais du Tupperware depuis 2007. Dans ce live, je voulais vous présenter une recette qui se fait dans le Molly Cake, actuellement en vente exclusive pour les hôtesses, donc toutes personnes qui prendront un atelier digital, c'est 100% digital, auront la chance d'avoir le privilège de pouvoir acheter ce joli moule. Voilà, donc là on va faire un gâteau aux pommes qui va très vite et très simple à faire. Je vous parie que vous en avez l'eau à la bouche et que ça vous donne envie. Je fais partie de Tupperware depuis 2016. Je suis nommée manager depuis quelques temps. Et du coup, j'apprends à évoluer avec vous et on y va tous ensemble, main dans la main. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qu'il va nous falloir. Donc là, j'ai épluché une pomme et coupé en rondelles comme ceci. Donc j'en ai mis un peu dans le fond. Et dans une belle assiette Tupperware qu'on a dans le catalogue actuellement en route. Nous avons aussi une super offre de trois ramequins de cette couleur-là. Qu'aujourd'hui, moi, ils m'ont servi à préparer donc les ingrédients. Donc, dans celui-là, on va avoir du sucre, la farine, on va avoir besoin d'un œuf, mais aussi de 100 ml de lait, comme vous voyez, de 100 ml d'huile, un sachet de sucre vanillé, de la levure, ainsi que deux pincées de sel dedans. Alors je vais utiliser mon Speedy Chef. Voilà. Donc jamais casser sur le rebord parce qu'un Speedy Chef c'est utile, c'est le batteur manuel. Ça évite déjà d'utiliser du courant et ça nous fait des économies d'électricité. Et c'est bon pour la planète. Alors je vais bien casser mon œuf sur le côté. Avec le dos de ma spatule silicone. Je viens mettre mon œuf. Je viens rajouter mon sucre. Voilà. Je vais mélanger le tout pour blanchir la préparation. Je viens ajouter ma farine. Comme ceci, ma levure et mon sel. Voilà. Je viens mélanger le tout. Voilà. Donc ces beaux pichets que j'utilise pour doser sont les pichets micro, oui, les pichets micro-cook. Qu'ils étaient en cadeau il n'y a pas si longtemps que ça. Cadeau hôtesse. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, je vous propose de prendre un atelier. Par la suite, de noter sur une liste votre liste d'envie pour pouvoir l'obtenir. Voilà. Là, je viens ajouter mon lait. Comme ceci. Ils sont idéaux parce qu'ils s'emboîtent comme ceci. Voilà. Pour faire fondre du chocolat au micro-ondes, vous pouvez les mettre comme ceci. Et ils sont super pratiques. Alors, j'avais mis mon four à préchauffer à 210 degrés. J'ai bien sûr retiré, comme d'habitude, ma plaque. Humidifier mon moule tout à l'heure avant de poser mes pommes.
comme ceci, voilà. Je vais ensuite verser ma pâte dedans.